Bonjour, aujourd'hui ça va être un test super rapide. En fait, c'est pas vraiment un test, c'est parce que j'ai retrouvé d'occasion en fait ce type de joystick. Donc, c'est le Speedking. Donc, pour ceux qui se souviennent de ce joystick, quand vous aviez un Atari, un Amiga ou même les machines d'avant, style un Amstrad, si je ne me trompe pas, ça marche aussi. Et voilà, donc tout ce qui était avec ce type de port. Donc, c'était le joystick que j'utilisais tout le temps. Donc, deux boutons. Ici, l'autofire. Et surtout, donc, quand on avait des jeux de sport. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, voilà, mais c'était super comme joystick. Je tenais juste à en parler. Donc, je vous montre un peu plus en avant. Par enfin, détail plutôt. Voilà, le fameux joystick que j'ai utilisé pendant des années et des années et des années. Donc, voyez-vous, vraiment super précis. Enfin, c'était l'idéal hein, quand on jouait. C'était mon joystick favori. Donc, on le tenait comme ça à la main. Donc, on avait les boutons pour appuyer directement. Donc, c'était vraiment super, super, super. C'était le moment nostalgique ou nostalgique plutôt. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine!